Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, quel plaisir! On se retrouve pour une toute nouvelle aventure et pour la toute première fois sur ma chaîne YouTube, une aventure de super-héros. Je ne peux pas vous le cacher, il est en gros sur votre écran, je parle évidemment de Spider-Man et... ce jeu, qu'est-ce que je l'attends depuis son annonce il y a 2 ans, à l'E3 évidemment. Apparemment il serait tellement bon, l'histoire serait tellement bien qu'il est devenu canon dans l'univers de Marvel. Donc totalement approuvé par Marvel. J'ai hâte de vivre cette incroyable et nouvelle aventure de notre ami Speedy, Peter Parker évidemment. Et j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Je vous invite dès maintenant à mettre chacune des vidéos Spider-Man en 2K 60 FPS parce que nous sommes sur PlayStation 4 Pro. Vous n'allez pas perdre une seule miette, vous allez en prendre plein la rétine. Vous allez voir, ça va chatoyer votre pupille tellement ça risque d'être incroyable cette nouvelle aventure. Et je vous invite aussi à prendre de quoi manger, de quoi boire durant chaque épisode parce qu'on va se retrouver tous les jours pendant 30 minutes ensemble pendant une semaine et ensuite un épisode tous les 2 jours. Cette aventure risque d'être dingue. J'attends énormément ce jeu. Je rappelle que c'est une exclusivité Sony, donc PlayStation. Nous sommes sur PlayStation 4 Pro et chacun de mes rendus est en 2K 60 FPS. Donc installez-vous confortablement. On est parti pour vivre une aventure incroyable sur ce Spider-Man. J'ai déjà fait les réglages, donc on est parti directement dans le jeu et je tiens à remercier tout de suite infiniment Sony pour m'avoir permis d'avoir le jeu 3 semaines en avance. C'est incroyable, j'ai eu le jeu le 19 août et il sort le 5 ou 6 septembre. Donc merci beaucoup Sony, c'est juste fou. Ça me permet d'enregistrer d'avance évidemment chacune des vidéos et de vous proposer une aventure tous les jours sur ce Spider-Man et ça risque d'être juste incroyable. Toutes les unités, mobilisation de niveau 4, emplacement tour Fisk. Fisk ? En 1084 à la tour Fisk, toutes les unités en stand-by, attente de mandat. Allez, on est parti pour le gameplay. Maintenez R2 pour vous balancer. Oh, le jeu est beau en vrai, genre... c'est insane. Ok, jusqu'ici, juste R2. Plutôt simple de faire le balancement. Je vois des petits trucs qui s'affichent sur les poteaux. Je ne sais pas pour quelle raison. Tout en maintenant R2, appuyez sur croix pour sauter et gagner de la vitesse. Attendez. Oh là là! Le jeu est très très beau par contre, genre vraiment. Il est assez insane. J'ai hâte de voir l'ampleur de la carte. Capitaine Watanabe. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Vous l'avez arrêté? Ah yes! Pas mal. Voilà, donc c'est L2 pour se poser. Ça vous dérange si je joue avec vous? Un poteau. Ces avocats. On doit faire ça dans les règles. Allez, Yuri! Ça fait 8 ans que j'attends ça. Vous voulez m'aider? Allez à Times Square.
Ah, là par exemple, on ne peut pas s'accrocher parce qu'il n'y a plus de building. Ça peut paraître con les gars, si mais à l'époque sur PS2 tu pouvais t'accrocher dans le ciel, hein. Bas les couilles, tu t'accrochais sur le premier oiseau qui passait. Appuie sur quoi pour réaliser un saut d'araignée. Ok, éloignement de la mission, vous quittez la zone de mission. Aïe. Oh d'accord, ça m'a rappelé directement à l'ordre. C'est quoi ça? Ok. Oh putain, on s'accroche aux arbres. Excellent. Aïe. Ok, la jouabilité jusqu'ici plutôt propre, hein, on va être très honnête, très fluide aussi. Appuyez sur croix, j'y suis, très bien. J'ai pas compris ce saut d'araignée. Ah, c'est ça pour... D'accord, le saut d'araignée vous permet de tourner instantanément, en gros. Ça permet de tourner à 90 degrés. C'est incroyable. Peter, où es-tu? Nous devons répéter la démonstration au moins une fois avant l'arrivée du comité de subvention. Oui, pardon, je règle un problème personnel. J'arrive tout de suite, promis. Ah. J'ai intérêt à me réfléchir. Aïe! Chante des trucs! Désolé! Hop, on va passer par ici, petit raccourci. Eh les gars, je connais bien la ville de New York. J'ai une de mes demeures par ici. On va passer par là. Waouh! C'est bon, j'ai failli prendre ma part. En tout cas, les gars, c'est très fluide pour le moment. De toute façon, vous voyez, hein, je ne vous cache rien. J'ai pas encore été faire un tour dans les réglages, étant donné que j'ai directement fait une nouvelle game. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Oh là là, c'est tellement stylé par contre. C'est vraiment stylé. Ok, c'est parti. Ah oui, d'accord, c'est une armée là, les gars. Première mission de notre ami Speedy. Ah mais par contre, il tire à balles réelles. District de Times Square, officier prêt pour cible. Sortez le poids lourd. Ah, Wilson Fisk. Ces hommes de main. Tuto, appuyez sur triangle pour réaliser une frappe de toile. Dès qu'on a fini cette première mission, on va parler un petit peu du doublage. Donc triangle, ça c'est fait, d'accord. La frappe de toile, ça permet d'aller directement sur un adversaire. Votre sens de l'araignée s'affichera autour de votre tête pour vous prévenir des attaques imminentes lorsqu'il apparaît. Préparez-vous à esquiver donc. Ok, c'est rond pour esquiver. Ok, rond, j'ai pris ma part. J'ai pris ce que je méritais. Ok, j'ai pris ma part. C'est carré pour attaquer, rond pour esquiver, aucun souci. Ça rappelle les anciens Spider-Man et les Batman. Hop, j'ai pris ma part encore, c'est normal, j'ai pris un petit coup derrière la nuque. Fallait me réveiller les gars, hein. je viens de me wake up, qu'est-ce que c'est? Je prends. Ok. Ok. Waouh. Oh, c'était pour le spectacle, c'était mon côté réalisateur, héros, super-héros. Ok, ça c'est fait, Julie, ça part. Attendez. Oh là là, mais c'est insane. Pas mal ça, pas mal. Calmez-vous les gars, toujours plus. Appuyez sur rond et utilisez L pour esquiver. Très bien. Ok, comme ça je suppose. Appuyez sur R1 de façon répétée pour entoiler vos... Oh la vache! Ok, ça c'est fait. J'ai pris ma part, c'est normal. Cette fois-ci c'est l'autre oreille. Hop, c'est bon, je commence. Oh la vache, c'est... Oh c'est propre. Mais que m'arrive-t-il? Oh, c'est bon, on m'a rappelé à l'ordre les gars. Spider-Man. Hop, bah rien, je retire toutes les plaques d'égout actuellement de New York. Ok, maintenez pour faire une projection aérienne. Oh, j'ai mis ça par. Hein. Oh là là, mais ça c'est incroyable aussi. Prendre appui sur le camion en l'air. Mais c'est totalement dingue. Appuyez sur 3 plus carré. J'ai pas le temps, il est totalement mort. J'étais le boss. Ok, Yori, c'est bon. Ok, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à penser. Là, clairement, dès le début. Yori! Allez, on y va, on y retourne. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser. Alors, je savais que Fisk se laissera pas faire. Pour être très honnête avec vous, Donald Reddew est un très, très bon doubleur. J'aime beaucoup, vraiment. Il double énormément de dessins animés. C'est celui qui fait Titeuf, évidemment, Sora de Kingdom Hearts et Tutti Quanti. Mais je trouve qu'en ce moment, à titre personnel, on l'entend peut-être un peu trop dans trop de jeux. Et là, sur Speedy, ça me gêne un petit peu. Voilà, ça me bloque un petit peu parce que cette voix, je l'entends vraiment partout. Et j'ai du mal à l'identifier à notre Spider-Man national. Mais bon, après, le boulot est très bien fait. Et encore une fois, c'est un doubleur exceptionnel. Et verrouiller l'espace aérien. Yori, tout va bien? S'il arrive à sortir du bâtiment, on va le perdre. Du coup, je vais...
Prêt, allez-y. Yes! C'est le grand jour, Willy! Willy Denzey. Ok, on y va, les gars. Wilson Fisk, il est temps de le mettre. 11-11. Hé, hey, où tu vas comme ça? C'est cadeau! J'ouvre la porte. Ok, allez, c'est parti, allez, les gars. Appuyez sur croix et maintenez R2 pour vous balancer. Ok. Je sais pas ce que je fais, mais c'est incroyable. Il se passe tellement de choses. Accumulez de la concentration en attaquant vos ennemis. Plus vous avez de concentration, plus vous infligez de dégâts. Donc la concentration est en haut à gauche, hein, vous l'avez vu, sous ma barre de vie, je suppose. Augmentez votre compteur de coups aussi pour gagner en concentration plus rapidement. Le combat aérien génère également un bonus de concentration. Hop, je lui ai mis sa part. Rien du tout. Oh, je lui ai mis sa part de ouf. Hein. Ok. Oh, merci pour le soutien. Oh, c'est beau. Il y a l'air d'y avoir un lock automatique. Quand vous voyez une petite surbrillance sur l'ennemi, c'est que c'est bon. C'est locké entre guillemets. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer sur une touche à ce niveau-là. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. J'ai encore un petit peu de problème avec les caméras. Ok. C'est... Oh, mais... Ma vie est descendue super vite en vrai. Genre, les gars, j'ai pris 2 balles. J'ai pris 2 balles, c'est terminé pour le joueur franc-hongrois. Hop, je tente un truc. Voilà, ça c'était pour le spectacle. Toujours un petit peu de spectacle dans chaque mission, j'aimerais. Oh. J'aimerais qu'on fasse un peu de spectacle. La poubelle, on peut prendre. Oh, c'est pas mal. Je gère. On va continuer en l'air. Oh, j'aurais pu. Là, j'aurais dû faire triangle par exemple, vous voyez. Ok. Hop. Ça, c'est pas mal. Ok. Aïe! Oh, c'est voilà, c'était ça que je voulais faire, mais alors j'ai pris un coup. J'ai ma concentration au max, qu'est-ce qui se passe? Ok, utilisez la concentration pour vous soigner. La quantité de santé récupérée dépend du niveau de concentration. Il y aura donc un arbre de compétences pour notre ami Speedy. Ok, appuyez sur flèche de bas. Donc la concentration sert à soigner, très bien. J'ai tout suivi jusqu'ici. Les gars, quand même. Hein. Il faut que je m'occupe des tireurs. Ok, c'est pas mal. Oh, c'est beau! Le petit triangle à gauche pour l'occuper. Ok, c'est pas mal. Ah, la caméra pour l'instant. Ok, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal non plus. Oh, mais pourtant, j'avais esquive. J'avais esquive et pas qu'un peu. J'avais fait une petite roue. C'est ma spécialité en gym. Allez, allez! Les gars, pour être honnête avec vous, on est à l'épisode 1. Ils ont bloqué les ascenseurs. Normal. C'est pas évident. Alors, j'ai peut-être plus l'habitude aussi des jeux de super-héros. Je préfère comme une approche plus directe. Mais c'est pas évident, vraiment. Attendez, les gars, j'ai pas dit que c'était compliqué. J'ai juste dit que, tu vois, au bout d'un moment... ok. Au rapport. Je suis en train de monter. En priant pour que personne ne prenne l'ascenseur. Ok, on peut nos hélicos essuient des tirs. Fisk semble avoir posté des hommes armés à tous les étages. Il a peur. Et on peut dire qu'il ne lésine pas sur les moyens. Je dois le trouver et l'arrêter. Alors, pas encore. On vient de capter un message. Stop! Il est temps d'aller voir un petit peu les réglages. On n'a toujours pas fait de tour au niveau des réglages. Flou cinétique. Je suis pas fan du flou cinétique. C'est, vous savez, le flou quand vous avez beaucoup de vitesse qui vous donne et ce qui appuie la sensation de vitesse. Je vous conseille de le retirer dans la plupart des jeux parce que c'est juste du flou. Ça donne une sensation vite fait. Mais le jeu est moins net. Aberration chromatique. Ça, c'est aberrant, évidemment. Activer l'aberration chromatique offre un effet filmique selon lequel les couleurs semblent légèrement décalées et floues aux angles de l'image. Pas sûr que ce soit nécessaire. Et activer la granularité, donc rendre le film un peu plus granuleux. Ok, j'ai retiré. Donc ça, c'était au niveau des graphismes. Difficulté, ça n'a pas changé. La sensibilité, je pense qu'on va l'augmenter au fur et à mesure du temps. Pas de souci, vibration. Après, bon, ça, les gars, ça ne vous concerne pas. Et audio, j'ai remarqué qu'on ne pouvait pas changer, mettre la VO, donc la version originale. On est obligé d'avoir la VF. Voilà. Peut-être en changeant le langage de la console, on peut passer en VO. Je ne sais pas, essayez chez vous si vous le souhaitez. C'est Tempmet. Il vaut mieux que je réponde. Mais quoi qu'il arrive, Donald Reignou ou pas, bah on va se le prendre. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je regarde un film de super-héros. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'assurer qu'on dîne toujours ensemble demain soir. Bien sûr. Écoute, je peux te laisser. D'accord. Ok, mon pote, c'est parti! No time to die, my bro! Hop. Oh là là, c'est tellement stylé! Hop, ça c'est une petite esquive filmographique. Hop, ça c'est cadeau!
Faut vider les poubelles, monsieur. Je ne sais pas ce que... Ok. Vous laissez pas avoir... Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ok, ça... Est-ce que... Alors, attendez. Ça, ça fait quoi, par exemple? Saut vers un mur. Voilà, d'accord, ok. Hop, salut, monsieur. Bonjour. Aïe! Mais faut pas faire ça, monsieur! J'étais pas agressif! Moi, oh, j'ai pris ma part, hein. Je voulais juste le faire kiffer un peu, tu vois. C'est pas tous les jours que tu vois un mec marcher tranquillement sur un mur. J'étais là, à la base, je voulais lui vendre du rêve. J'ai pris ma part. Ok. Yo, les gars. Mais vous tirez où, messieurs? Ah, mais vous tirez encore là-haut. Il y a des mecs du GIGN, ils savent pas s'ils doivent descendre ou monter, apparemment. Ok. On y retourne. Je comprends pas, là. Ah, putain, c'est encore en haut. Merde. C'est un fail. Non, je ne comprends pas. Vous tirez où, les gars, là? Ah, mais il est là! Aïe! Oh, non, 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 waouh. Tu prends 2 balles, mec. Oh, la vache! La valise, elle est partie avec. Ok, concentration pleine. Une barre de concentration pleine vous permettra aussi de réaliser un coup de grâce et d'assommer instantanément un ennemi. Mais comment on fait ça? Tenez-le, qu'il arrête de sauter partout. J'ai un doute, vous savez que okay. Ça va mal finir pour vous. Ok, ok, donc en gros c'est un outil, mais je peux plus récupérer ma vie. Et ça c'est critique, catastrophe, catastrophe, ma chérie. Si c'est bon, pour toujours récupérer sa vie, impeccable. Alors, j'aimerais trouver une touche pour recentrer ma caméra. Parce que là, hop, ça c'est pas mal, ça c'est l'esquive. Hop, on va le choper en l'air. Oh, c'est pas mal aussi ça. Ça c'est du beau combo qui fait plaisir. Hop, petite esquive. Oh putain, je pouvais le mettre KO du premier coup, dommage. Il faut que je trouve ces serveurs avant que l'épreuve ait disparu. Dommage, dommage. Si okay, je passe par là, ils détruiront toute l'épreuve. Appuyez sur R3 pour chercher des ennemis. Chercher un accès discret. Je rappelle que la tenue a été faite. Bon, c'est du spoil, mais voilà, voilà. Par le monsieur Iron Man. Je sais plus d'ailleurs. Mais putain, comment il s'appelle? Oh, d'où Jésus. Je suis désolé, hein, ami, fan de Marvel. Putain, Iron Man, comment il s'appelle? Je sais son vrai nom, prénom, mais je... Oh là, d'où Jésus. Je rentre pour bonne conduite. Comment qu'il s'appelle? Merde! C'est peut-être un sale criminel, mais sa ventilation est hyper propre. Oui, c'est vrai que, genre, les gars, en termes de ventilation, je m'y connais, ayant une climatisation professionnelle. Oh, c'est pas... trop mignon quand ils se doutent de rien. On est à la moitié. Encore une minute ou deux. Insane. On peut le refaire ou pas? Ok. C'est par ici. C'est le service technique? J'ai oublié mon mot de passe. Allez, on y va. Oh putain, on va faire attention. Je rappelle que c'est le... Oh la vache, c'est le Spider-Man où il y a le plus d'ennemis. Et je rappelle aussi que le jeu sort officiellement dans 2 semaines au moment où je recorde cette vidéo. Et que les patchs Day One ne sont pas encore mis en place forcément. Donc s'il y a des petits bugs ou autres, ça devrait être résolu très très vite. Là j'en ai pas vu des masses, hein, pour être honnête avec vous. Ok, ça c'est fait. Faut que j'accède à cette console avant que tout soit perdu. On va se soigner. Allez, c'est parti, hein. On va tester l'efficacité de leur sécurité. Oh, vous avez oublié d'installer le dernier patch. Se cacher dans la salle des serveurs, c'est lâche, même pour toi. Hey, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu es toujours un gamin naïf. Hein? Mais c'est ce qui fait mon charme, non? Va au diable. Enfoncez-moi cette porte, et vite! Allez, on est parti! Maintenant pour réaliser une projection aérienne. Ok, très bien. Regarde autour de toi. C'est mon œuvre. Qu'est-ce que tu as accompli, toi? Eh ben, une fois, j'ai arrêté un gros criminel prétentieux avant mon petit déjeuner. Fumez-le! Oh, mais les gars, en vrai, genre, je vais pas faire l'américain. Oh, c'est stylé! Oh, c'est stylé de ouf ce qui s'est passé là. On en a vécu des choses, fils. Je suis presque triste. Oh, c'est pas mal. Il y a vraiment pas mal d'interactions avec le décor. Tony Stark, ça y est. Tony Stark, notre ami d'Iron Man. Ouais, je réfléchis en même temps, je fais beaucoup de choses, c'est terrible. Okay. J'envoie une unité de déminage. Je ferai en sorte qu'ils aient le champ libre. Hop. Putain, j'ai hâte d'avoir le monde ouvert, voir un peu tout ce qu'on peut faire. Les quêtes annexes, tout ce qu'on dit. Ok, ça c'est fait. Ça, je vais le mettre. Oh la vache.
Je vais mettre sa part. C'est un pied-bouche, hein, littéralement, comme on l'appelle dans le milieu. Je m'y connais un petit peu. C'est bon, on y va. Ils sont enfin là. Les bombes font partie du plan de Fisk pour fuir. Ils doivent être coincés. Occupez-vous d'eux. Nous, on se charge des bombes. Ok, on est reparti. On va s'occuper des ennemis, évidemment. Parce que je suis pas des mineurs. Tout le monde dehors. Allez, cassez-vous. Je vais plus vous voir. Allez, barrez-vous tous. Ok, ça, ça dégage. J'espère qu'il y avait personne derrière. Je les trouverai. Ok, c'est pas mal, ça. On peut s'arrêter, hein, regardez, hein, apprécier un peu comme le jeu est beau. Franchement, Batman était quand même assez classe sur PS3 à l'époque. Là, je vais le soulever. Dès que possible, on a un niveau, on a un niveau bien haut pour un jeu de super-héros. Et ça fait plaisir. Ok. Je vais les sauver grâce à un QTE exceptionnel et des épaules de serpent. Hop, j'ai pris ma part. C'est rien. Allez, mon Speedy. Et en plus, il y a les musiques officielles. C'est incroyable. Le petit merci à travers le décor. J'arrive. Ok, on y va. Allez vers le bureau de... C'est Yuri. Comment ça va, capitaine? Ça pourrait aller mieux. Nos hélicos ont souffert. On a dû rappeler le dernier. Si Fisk appelle un hélicoptère, on n'a rien pour l'empêcher de se poser. Et on n'a rien pour le poursuivre s'il décolle. Pourquoi j'ai l'impression que c'était son plan depuis le début? Parce que c'est sûrement le cas. Bah, Fisk, c'est pas méchant, mais c'est un petit peu le boss en termes de magouille et tout. Yuri, faites monter les secours, vite! On essaie. D'ailleurs, Fisk est aussi le méchant dans bon nombre de Marvel, dont Daredevil. Si vous n'avez pas vu la série sur Netflix, Daredevil, j'ai bien aimé en vrai. Attention, je trouve que ça redore un petit peu le blason. Hop, ça c'est rien, les mecs derrière sont morts, hein, littéralement. Hop, ça c'est cadeau. Ça suffit comme ça. J'ai été le boss. J'ose pas encore... Oh, ça fait pas un peu beaucoup. Waouh, il m'a roquetté à bout portant. Il m'a mis ma part, hein. Alors, la caméra, je n'ose pas encore appuyer sur toutes les touches. Hop, ça c'est direct, c'est dans mes dents. Ok. Faut pas oublier la touche R1, il y a beaucoup de choses à penser. On a tourné mon calque de la roquette ou quoi? Oh les gars, bien. Hop, on prend la poubelle. Hop, ça dégage. Là, j'ai été le boss, très clairement. Ça en ouvre. Il y est plus, Fisk. Hein. Comment l'équipe de déminage a réussi à passer ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est les boss. Ok, on va passer par ici. Waouh! Je suis mort. Ok, première mort, premier épisode. C'est pas évident, la roquette est tout shot, donc il faut faire attention. Ok, ok, déplacer la caméra. Alors attendez, attendez, c'est peut-être le moment que je trouve le bouton pour replacer la caméra juste derrière. Parce que des... Ah, j'ai cru que je m'étais auto-porté, si je peux dire. J'ai réussi à passer ça. On va passer par là. Bon, là, va falloir faire attention. J'ai récupéré toute ma vie. Je pense que ça devrait pas être un danger. Patience. Hop, voilà, ça c'est encore une fois pour le spectacle. Okay. Ah putain, mais c'est pas vrai. Casse les couilles. Là. Je vais mettre des gifles parce que... C'est assez terrible. Ok. Et lui, on va le chercher. Faut vraiment penser à déplacer la caméra en même temps. C'est pas évident. Quelque part devant. Mais je pense que dès l'épisode 2 et 3, ça sera un peu plus fluide de mon côté. Ah non, faut juste passer la porte. Ok. Hop. Ça, c'était mon côté spectaculaire. Encore une fois, je veux montrer que j'ai des capacités de gym exceptionnelles. Vous allez bien? On était sur le point d'appeler des renforts. Eh ben, je suis là. Passez devant, on sera juste derrière vous. Attention, chef. Quoi? Ah, encore une manigance de Fisk. Catastrophe. Ok. GG, ça a été le boss. Les ennemis dotés de boucliers bloquent les attaques frontales, mais sont vulnérables de dos, forcément, pour réaliser une frappe de poing. Ok. Alors vous fricotiez avec Fisk depuis le début? Ah, j'ai l'image dans la tête maintenant. Oh la vache, il m'a mis ma part. Le plan n'a pas marché.
Place au plan B. Ok. Prendre une dérouillée. Ça, c'est pas mal. Ok, donc rond, c'est pour esquiver et aussi passer littéralement sous l'adversaire. Comme ça, par exemple. Vache, il y a beaucoup de choses à retenir, mais je pense que très clairement... Hop, c'est pas mal, ça. Hop, ok, regardez, regardez. Hop, ça, c'était pour le spectacle. Hop, on passe en dessous. Oh là là, je joue avec mes adversaires. Oh, il a pris sa part de la part de ses potes. C'est beau, ça. Ça, c'est spectaculaire. Ça, c'est spectaculaire. Hey Yuri. C'est pas mal. On dirait que certains de vos hommes bossaient pour Fisk. Bonne nouvelle, c'est que c'était le dernier rempart de Willy. Oh, le jeu est vraiment beau, hein. Arrêtez-le. Maintenant. Attendez. Avec plaisir. On peut pas vraiment voir dehors. C'est un peu feutré, les fenêtres. Ouais, j'adore employer ce mot. Ça sera le mot, d'ailleurs, de cet épisode, hein. Feutré. Et on va voir un peu ce que ça donne. C'est parti, hop. Toujours la petite cascade avant d'ouvrir une porte. On y va. On écrit ses mémoires ? Oublie surtout pas le tirer entre Speeder et Man. Préparez l'hélicoptère. Ce ne sera pas très long. Je suis surpris que t'aies pu venir jusqu'ici. Mais tes pitreries s'arrêtent là. T'es conscient que je te vois toujours, là ? 8 années de cette insolence. C'est pour moi ? Fallait pas ? Allez, on est parti. Vache ! C'est quoi ce délire ? Ok. Ok. Ça, c'est pas mal ! Ça, c'est pas mal ! Ok. Ah ouais, faut mettre une deuxième toile parce que c'est strong. Ah ouais ! Comment c'est possible ? Eh ben Willy, t'as pas l'air content ? Je vais t'aplatir ! Essaye toujours ! Ok. Hop, ça c'est retour à l'envoyeur. Je vais en finir. Ok, j'ai plus de toile. D'accord, mon lance-toile, il se recharge. Très bien, comme, bah, comme les comics. Aïe, j'ai pris ma part, hein. Ça c'est cadeau. C'est la sécu. Ah. Ta mort sera aussi. J'ai pas assez bien réagi. Hop, ça c'est une esquive. Ok, normalement. Oh putain. T'as rien à faire là. Strong en vrai. Cette fois. Ok. C'est pas mal. Hop, on passe en dessous. Hop, on passe au-dessus. C'est pas mal du tout. On passe au côté. Aïe ! Excuse-moi ! Waouh ! Ok. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Deuxième mort de cet épisode ! Pas évident ! Ouais, bon, je vous vois arriver. Ouais, mais Viva était... Ta gueule ! C'est pas facile, je te dis. Ok, tu me respectes au bout d'un moment. Ça va pas du tout, ça. Allez, on y va. Une ouverture. Ok. Bon, bah, va falloir que je fasse ça à répétition. Oh, mais je le gère de ouf. Ok, il m'a pris. Il m'a dosé. Ok, spam. Oh, c'est. Oh, j'ai été le boss. Ok. Oh, j'ai été le boss de ouf. Je l'ai géré grave. J'ai vraiment bien géré. Tu représentes tout ce que cette ville a de pire. Ok, phase 2. J'allais dire la même chose de toi. Vous savez quoi faire. Allez, encerclez-le. Oh non, lui plus des... Oh là là. Formez au combat. Battez-vous. Tout le monde lui prend sa tête. C'est chaud. Je ne veux pas entendre d'excuses.
Protégez le boss. C'est chaud de ouf. J'essaye de les gérer tous, mais... Ok. Hop, lui, on va l'emmener en l'air. Moi, je suis sûr que... Waouh. Je sais pas, boss. Ok. On va passer en dessous. Ok, je le gère plutôt bien, en vrai. Oh, je le gère de ouf. Aïe. Ah, d'accord. Ok, je crois que c'était fait exprès. T'es en train de perdre, Willy. J'ai même pas commencé à jouer. Hop, on va faire gaffe. Ok, allez, on y va. C'est pas mal. J'ai bien géré. Ok. QTE qui change. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal du tout, les gars. Les gars, on est qu'à l'épisode 1, c'est incroyable. Alors, c'est là qu'on s'embrasse? Ah, plus tard. Alors, ce n'est que l'épisode 1 et j'en ai pris plein les yeux, je sais pas pour vous, mais franchement, très très propre. Alors tu vas enfin voir Riker. C'est drôle, je crois que t'as plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter? Bon, faut que je file. Hey, bonne chance Willy, je crois que tu vas en avoir besoin. Crétin, c'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville. Tu verras, dans un mois, tu vas me supplier de revenir. Le Kingpin va aller en prison. C'est la fin d'une époque. Faudrait fêter ça. Punition du Kingpin. Trophée obtenu et nous voici dans le monde ouvert de Spider-Man. Et on a gagné un niveau augmentation de la santé. Regardez comme c'est beau. Un point de compétence forcément qu'on va s'attribuer dans le prochain épisode. Regardez comme c'est beau. J'ai pas envie d'appuyer sur la touche du milieu de ma manette pour voir la carte. On va voir. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts. On va voir l'arbre de compétences. Ah, yes. La carte est juste à gauche. Vous êtes passé niveau supérieur, ok? Donc on peut se mettre des points de compétence forcément. Terminer des missions, éliminer des ennemis pour gagner de l'XP. Donc des points de compétence à chaque niveau. Prise de toile, maintenez triangle pour saisir et projeter les ennemis entoilés. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que plusieurs fois, j'ai essayé de le faire et on pouvait pas. Appuyez sur rond lorsque vous avez le sens de l'araignée devient bleu pour contrer vos ennemis avec une toile en pleine tête. Génère un bonus de concentration, c'est pas mal. Maintenez carré dans les airs pour envoyer un puissant coup de pied latéral. Ah, ils sont tous bien en vrai. Donc, de toute façon, on va tous les débloquer les premiers. Je pense que ça me paraît être le minimum syndical, si je puis me permettre. Esquive parfaite fait à présent partie des techniques et ça débloque bien évidemment la suite. On va voir la carte. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est maintenant. Et je n'ai pas de carte. C'est incroyable. Faut quand même le faire en rangeant ma chambre. Ah, je reçois des SMS. Il y a quoi, les gars? Un flux social? Ah oui, mais carrément, en fait. C'est des tweets ou des SMS? Oh, bon, on va aller lire ça tantôt. Il fait 19 degrés à New York. Sachez-le, j'ai 15,3 millions de fans. C'est énorme. C'est énorme. Ok, bon. Donc ça, c'est la carte. Rangée, je suppose, un peu par département. Ok, on peut pas aller de l'autre côté. Très bien. Ça me paraît bien grand. Ça me paraît bien, bien grand. Donc on a tout ça. Alors, évidemment, pour le moment... Il n'y a rien, je pense que ça se débloque soit via l'émission, soit c'est une sorte de nuage de guerre petit à petit. Très bien, très très bien. Et pour le reste, on verra, on découvrira plus tard. Bon, j'ai pas de carte, alors comment on va faire? Ah, mon autre second travail. Appuyer sur L2-R2, c'est pas mal ça. Appuyer sur croix pour réaliser un lancement. Yes, et maintenant on peut partir. Oh, on est les boss. Alors, vous vous doutez bien qu'on ira au manoir des Avengers et tout pour monter tout là-haut. Le comité va arriver.
et faire une chute exceptionnelle. Je suis tout prêt. À quelques rues. Je me débrouillerai sans toi. Non, c'est trop dangereux. Ok, c'est pas mal. Le jeu est... Attendez, j'adore l'enthousiasme du doc, mais ça a le don de lui créer des problèmes. Hop, on va se poser par terre. Avant qu'il se blesse. On va se poser par terre. C'est très très beau. Vraiment, les gars. Vous avez vu, hein, c'est très très propre. Hop. Les gens me regardent, ils sont un petit peu subjugués, ils savent pas comment réagir. Des barres ? Il y a un mec qui vient de me prendre en photo ? Il est en train de tweeter, le boss ? Attends, et si je fais carré, ça fait quoi ? Oh là là, mec ! Il fait beau, non ? Quand tu fais carré, ça fait des petites interactions. Eh, hey, histoire de se la péter un petit peu. N'oubliez pas le like, attention, les gars, hein, sur la vidéo. Oh, il y a pas mal de voitures aussi. C'est pas mal du tout, ça. Hein. C'est pas mal du tout, ça. Hein. Il y a beaucoup de circulation, beaucoup de véhicules. Ça, ça promet du très très lourd. J'ai hâte déjà de continuer et de voir un petit peu les quêtes secondaires qu'on va pouvoir faire. Je rappelle que là, on est toujours dans la phase de tuto. Et vous avez vu qu'il y a eu énormément de choses à faire. Maintenez L3 pour plonger dans les airs. Yes, d'accord, insane. Ok. Je tente des choses, hein, les gars. Ok. Ah, voilà, j'ai réussi le lancement. Très bien. Bon, désolé, hein. Quand je parle pas, c'est que je me concentre. Les gars, on n'est pas Spider-Man tous les jours. Donc, faut faire des petits efforts, si vous voyez ce que je veux dire. On y va. On va se passer. On va se caler, pardon, juste devant. Et après. Hop, on va s'arrêter là. Vous verrez plus tard ce que ça peut donner. Ok, c'est bon. Je suis au bâtiment de mon bureau. On va pouvoir y aller au prochain épisode. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Spider-Man. A très vite tout le monde. Ciao, ciao.